utiles, mais parfois complexes, les indicateurs statistiques d'absentéisme et leurs formules peuvent laisser quelque peu perplexes. Cependant, des indicateurs fiables et mesurables peuvent être très simples à calculer. Prenons par exemple la fréquence. Nous entendons par fréquence le nombre d'absences sur une période donnée. Comment la mesurer? Pour rendre compte de la répétition des arrêts, deux possibilités s'offrent à nous. On peut d'abord calculer le nombre d'arrêts pour 100 agents employés. C'est simple. Il suffit de diviser le nombre d'arrêts par le nombre d'employés. Par exemple, s'il y a eu 350 arrêts pour 500 employés, cela représente une fréquence de 70 arrêts générés par 100 employés. Deuxième possibilité, on peut calculer la fréquence d'arrêt. Ce mode de calcul permet de rendre compte du caractère répétitif des arrêts, c'est-à-dire le nombre moyen d'arrêts par agent absent. Un agent absent étant arrêté au moins une fois dans l'année. La formule est la suivante. On divise tout simplement le nombre d'arrêts par le nombre d'agents absents. Prenons 350 arrêts divisé par 200 agents absents. Cela permet en l'occurrence de constater que chaque agent absent s'arrête plus d'une fois par an en moyenne.